vous bénisse à travers un message simple, un enseignement simple de Dieu, alléluia. Nous avons chanté « J'aime ta parole, Seigneur ». Et nous avons entendu des prières justement basées un peu sur ça, sur la parole de Dieu. Et justement, la volonté de Dieu, c'est qu'on écoute sa parole et qu'on la mette en pratique. Il y a une très grande puissance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu n'aurait jamais donné des commandements si, dans le commandement, il n'y aurait pas la puissance pour l'exécuter. Il y a la puissance dans l'obéissance au commandement de Dieu. Alléluia. Le foyer, c'est la cellule familiale. Un foyer, c'est la gloire de Dieu. C'est précieux aux yeux de Dieu. C'est pour cela peut-être que les apôtres vont dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille ». Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur cette terre qu'une famille de Dieu, qu'un foyer chrétien, un authentique foyer chrétien. C'est précieux aux yeux de Dieu. Et toute l'attention de Dieu et la gloire de Dieu, c'est le foyer. C'est Dieu qui a institué le foyer, c'est-à-dire, si vous voulez, le mariage. Hein? Donc, c'est précieux aux yeux de Dieu. Il a un grand prix aux yeux de Dieu. La réjouissance de Dieu, c'est regarder sur la terre et voir sa famille, le foyer chrétien. Il y a aussi de la puissance dans un foyer chrétien, parce que les conjoints, le mari et la femme, vivent la vie de Dieu, ils sont un, mais ils sont en même temps deux pour demander la même chose. Et donc le foyer a une grande puissance sur la terre. Et c'est aussi la réjouissance de Dieu. Je dis tout cela pour qu'on arrive à comprendre, parce que je vais être très simple. Et l'adversaire sait ces choses-là. Le diable connaît ces choses. Il connaît qu'un foyer, c'est la gloire de Dieu. Il sait qu'une famille chrétienne réjouit le cœur de Dieu. Et le diable sait que les enfants de ce foyer vont déjà s'élever dans un foyer chrétien. Et ça le fait rugir. Des enfants qui sont élevés dans un foyer chrétien, ça lui fait peur. Ça le fait rugir. Parce que tous les enfants du monde, ils sont élevés dans le mensonge, dans la haine, et dans tout ce qui est la nature du diable. Tandis que les enfants d'un foyer chrétien, ils sont élevés dans l'atmosphère de Dieu. Il y a déjà l'empreinte et l'image de Dieu dans cette famille. Et le diable le sait, parce que c'est la gloire de Dieu. Alors, c'est là qu'il attaque. Son centre à lui, c'est le foyer. Il attaque le foyer. Parce qu'il sait qu'en attaquant le foyer, il attaque aussi les enfants qui vont grandir. Parce que les enfants vont voir le témoignage de leurs parents. Il fait des coups doubles, des coups triples, des coups quadruples, des coups quintuples, il fait. Plusieurs coups, quoi. C'est ça. Parce que, je le répéterai pour commencer, un foyer, c'est la gloire de Dieu. Alors, il attaque. Il rôde comme un lion rugissant pour attaquer le foyer. Comment il a détruit au jardin d'Éden? Il a attaqué. Il savait que les enfants qui naîtraient là, ce seraient des enfants qui seraient élevés dans la présence de Dieu. Alors il a attaqué là. Et il continue à attaquer les foyers. Et comment attaque-t-il? En essayant de mettre la cisanie dans le foyer. Alors qu'est-ce qu'il fait? J'ai marqué quelques points. Il essaye de déséquilibrer le foyer. Il trouble le couple. Il attaque pour les énerver, pour qu'ils s'irritent. Pour arriver à ce qu'il y ait de la colère entre les deux. Vous avez jamais vu ça dans les foyers? Tant mieux, tant mieux.
Le mari et la femme qui se mettent en colère. Le mari et la femme qui se font des Vous l'avez jamais vu, hein? Vous êtes heureux, vous, hein? Pour mettre de l'animosité. Mais ça, c'est le diable qui attaque. Ôter la chance pour arriver aussi, doucement pour arriver à ôter la sensibilité du couple, de les rendre insensibles l'un envers l'autre. Ils commencent doucement à les irriter, à les énerver, à que la colère monte pour, je ne dis pas de suite la haine, mais ça peut arriver aussi, mais afin qu'il n'y ait plus de sensibilité dans le couple. Il va arriver à les rendre méchants, l'un envers l'autre. Il va arriver à qu'ils se jugent avec mépris, à se servir même de Dieu pour s'accuser mutuellement, à dire que l'autre est un égoïste, que l'autre est un injuste. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'ils peuvent se trouver des raisons valables. C'est vrai ou pas? Mais nous n'avons pas vu venir l'attaque du diable. Parce qu'il a de la haine contre un foyer chrétien. Et il ne veut pas qu'il prospère. Alors, il a une chose dans le cœur. Mettre la guerre dans les foyers. L'adversaire a, j'ai marqué là, a plusieurs raisons et plusieurs motifs. Pour mettre les choses que nous venons de dire là. La méchanceté, l'irritation, le jugement de l'un envers l'autre. Mais lui, il ne fait pas ça pour n'importe quoi. Il a plusieurs motifs pour faire ça. Il a plusieurs raisons. Premièrement, il veut mettre de ce qui est à lui dans les foyers. Il veut mettre de ce qui est sa nature même dans les foyers. La colère. C'est à lui. L'animosité, c'est à lui. Se juger avec mépris, c'est à lui aussi. Alors, il veut mettre ce qui est à lui. Arriver à mettre même si c'est pendant un moment de la haine, même si c'est pendant un moment de la méchanceté, mais c'est ce qui est à lui. En un mot, il veut mettre son image dans les foyers. C'est un imitateur. Il sait que Dieu nous a créés à son image, à lui. Amour, paix, tranquillité, douceur, sainteté. Il sait que Dieu nous a créés à son image, à lui. Alors, il sait que le foyer chrétien est l'image de Dieu. Alors, il veut mettre de l'acide sur cette image-là de Dieu. Et il veut mettre son image à lui. Vous ne pensez pas, frères et sœurs, qu'il a souvent réussi? Quelle honte pour Dieu, dans les foyers chrétiens, de ne pas pouvoir dire au diable, tu as vu sur la terre ma famille, tu as vu ce foyer, quelle paix, quelle douceur. Comment les enfants prennent ce témoignage? Sincèrement, c'est une honte. Au nom du Seigneur Jésus, qu'ici, dans cette église, il n'y ait que l'image de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Parce que l'autre, il fait tout, il rentre d'un côté, il rentre de l'autre, mais pour mettre sa nature à lui. Pour mettre son image à lui. Méchanceté, haine, irritation. Pour arriver à se mépriser. Alors, donc, voilà le premier point. J'en ai mis à peu près 7 ou 8. Voilà le premier point de la raison de l'adversaire. Des motifs de faire du mal au foyer. Deuxièmement, quand il a réussi à mettre son image dans les foyers, eh bien, qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait des révoltés l'un envers l'autre. C'est ce qu'il est lui. Il est un révolté contre Dieu. Alors, donc, c'est le deuxième point.
Le troisième, donc il a plusieurs motifs de faire ça. Ne l'oublions pas. Le troisième point, c'est que la prière puissante, la prière efficace contre les puissances des ténèbres, perd sa force. Parce que il y a du trouble dans le foyer. Il y a de l'aigreur dans le foyer. Et la méchanceté de l'autre, c'est-à-dire du conjoint, trouble l'esprit. Quand on se met devant Dieu en prière, et que le foyer vient de se fâcher, il y a du trouble. Alors la prière n'a plus la même valeur. Et l'adversaire le sait. Qu'est-ce qui lui fait du mal? C'est la prière. Et justement, son triomphe, vous voyez, il veut arriver à cela pour plusieurs motifs. Et la prière en est un motif puissant aussi. Et quand il y a cela, il y a même aux yeux de Dieu, il y a un voile sur la prière. Vous savez, bien-aimé du Seigneur, beaucoup d'ici savent que j'aime beaucoup prier en marchant. Mais quelquefois il pleut, alors je ne voudrais pas me mouiller. Et s'il y a un parapluie, pourtant c'est du nylon transparent, très fin, la pluie ne me touche plus. Pour fin que soit le voile sur la prière, c'est un voile. C'est un voile. Donc, c'est le troisième point, parce que l'adversaire sait que la prière des saints, c'est Dieu qui le prend dans un vase. Dans un vase d'or sur son autel. Et non pas son autel. Vous le saviez ça? Que Dieu prend les prières de ses saints dans un vase d'or? Je ne suis pas content alors si vous ne le savez pas. Ah si, hein, peut-être, ah, dis que oui. C'est deux fois écrit dans l'Apocalypse. Que la prière des saints, vous vous rendez compte? L'amour de Dieu pour nous, à quel point il nous aime, il prend les prières, il les met dans un vase. Et ses prières sont devant sa face. Nous arrêterons cela parce que ça irait trop loin. Donc c'est le troisième point. Je commence par tous les côtés négatifs qu'apporte le diable. Quatrièmement, sa cruauté, il est tellement cruel qu'il veut rendre le foyer malheureux, il veut le rendre triste, nerveux, si ce n'est pas dépressif. En un mot, sortir la paix de Dieu des foyers. C'est un voleur. C'est lui qui rôde autour des foyers comme un lion rugissant. Quatrièmement, il veut sortir la paix. Cinquièmement, il veut troubler l'esprit des enfants de ce foyer-là. Que les enfants ne puissent pas croître, c'est-à-dire grandir, en voyant le père et la mère des authentiques chrétiens. Grandir avec ce témoignage. Papa et maman, quelle paix, quelle douceur à la maison. Le témoignage des parents sur les enfants. Il ne veut pas le diable. Il ne veut pas d'un témoignage comme cela. Ça glorifie trop Dieu et ça lui fait trop de mal à lui. Il ne veut pas que des enfants voient un véritable foyer des parents convertis. Le diable ne voit pas que chez eux, il ne voit que la paix, la prière, la douceur de la famille. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas. Alors il t'attaque. Il t'attaque. Il m'attaque. Il nous attaque à tous. Qui que nous soyons, c'est ses attaques. Il ne veut pas que les enfants voient ça.
Il ne voit pas que les enfants soient élevés dans cette atmosphère. Et s'il a réussi, quelle honte. Et bien sûr, pour finir, il veut en arriver à un but. La désunion du foyer par la guerre dans le foyer. Sixièmement, c'est pas fini. Le sixième point que j'ai marqué pour moi, c'est le plus grand. Quand je pense qu'on a vu que c'était déjà important cela. Mais sixièmement, le sixième point, c'est la vengeance du diable contre Dieu. Il ne veut pas que Dieu soit heureux. Il veut que Dieu soit tristé. Il ne veut pas que la joie de Dieu explose. Il veut justement rendre le cœur de Jésus-Christ malheureux en voyant ses enfants dans la guerre et dans la misère. Septièmement, par la désobéissance à la parole, parce que tout ça, c'est la désobéissance à la parole. Et le diable le sait bien, lui. La famille de Dieu, l'Église, est affaiblie. Vous savez ce que c'est, enfant de Dieu, certaines maladies. Donc, je veux dire par là qu'une maladie, ça fait du mal, mais surtout ça affaiblit. Huitièmement, le triomphe du diable, c'est mettre le péché dans le foyer. Et il sait que la désobéissance à la parole de Dieu, c'est le péché. Quand la femme, maintenant, nous allons commencer à prendre l'homme et la femme. Quand la femme désobéit, quand l'homme désobéit, qu'importe le conjoint qui désobéit. Et tout ce que nous avons vu, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est le péché. Et quand l'adversaire, le diable, a mis le péché, il a triomphé. Pourquoi? Parce qu'il peut régner sur le péché. Son trône, c'est le péché. Enfant de Dieu au nom de Jésus. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Le trône du diable, c'est le péché. Il règne. Sur ce trône-là, il règne. Sur le péché, il règne. Alors, il sait que la désobéissance à Dieu, c'est le péché. Et il sait que l'obéissance à Dieu le chasse et rend le foyer vainqueur et fort. Et heureux. Alors il fait tout ce qu'il peut, il réquisitionne tous ses soldats pour mettre le péché dans les foyers. Pour mettre sa nature. Et je le répète, il vient trôner sur le péché. Il vient régner sur le péché. Combien dans le monde des chrétiens authentiques se sont... le diable est arrivé à les séparer. Et les enfants sont d'un côté et de l'autre. Ils ont vu la guerre et ensuite la séparation de papa et maman. Alors là, le diable est arrivé à la fin de son triomphe. Nous répétons que la puissance et la force est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et le diable connaît bien les versets de la parole de Dieu. Que c'est l'obéissance à l'évangile qui apporte la puissance. L'évangile est une puissance. Mais pour ceux qui y obéissent. Mais pour ceux qui obéissent pas à l'évangile. Vous voulez qu'on lise un verset? C'est dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Beaucoup vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je tiens à vous le lire. Pour que vous compreniez quelle est la méchanceté de l'adversaire. C'est dans la deuxième épître, chapitre 2, verset 4, je crois. C'est chapitre 1, pardon.
Verset 8. C'est quand Jésus-Christ va revenir. Il revient au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est les inconvertis. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face de Dieu. Il vient pour, dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Et il essaye par tous les moyens dans le monde, maintenant, d'apporter l'apostasie. L'apostasie, c'est s'éloigner de la vérité. Il n'y a que la vérité qui rend fort. Parce que Jésus a dit, ta parole est la vérité. Alors, nous sommes en train de vivre le temps d'apostasie. Et sinon, Jésus ne reviendrait pas. Dernièrement, j'étais dans une église, je ne vous dirai pas où. Une église que j'ai connue il y a une vingtaine d'années ou plus. Il y avait une telle sainteté dans cette église. C'est une église de paille, hein. Et il y avait une telle sainteté dans cette église, une telle communion avec Dieu dans cette église, une telle obéissance à la parole de Dieu dans cette église, que n'importe qui qu'il rentrait sentait la puissance de Dieu et Dieu lui parlait. C'est là que Dieu m'avait parlé ouvertement. Je suis retourné il y a quelques mois, après 22 ou 23 ans ou 24 ans après. L'apostasie était rentrée dans l'église. Au lieu de, pour un culte, de prêcher la communion ou autre chose, ce pasteur prêchait l'apostasie. Il a prêché plusieurs apostasies, mais une pour faire du mal au foyer, que l'homme et la femme étaient au même niveau, et que la femme ne devait pas être soumise à l'homme. Non mais, voyez, et dans le monde, ça s'installe. Chez les païens, c'est fait déjà. C'est fait. Il y a 50 ans, chez les païens, c'était pas comme ça. Mais il y a un esprit qui est venu, et chez les païens, c'est pas, dans le monde, c'est partout comme ça. Mais ce que le diable veut, c'est le mettre dans les églises. Pour qu'il y ait la désobéissance, pour pouvoir frapper les foyers. Sa cruauté, c'est mettre son image dans les foyers. Maintenant, nous allons voir ce que dit Dieu. Justement, parce que maintenant, on va voir ce que dit Dieu. Et ensuite, la clé de la victoire. Dans Genèse, dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, eh bien, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Faisons-lui une... Je voudrais qu'une sœur me le dise. Voilà, une aide. Une aide semblable à lui. Une aide, non pas qui sera une esclave. Il n'a pas dit ça du tout. Parce que nous allons le voir que c'est loin de là. Mais une aide. Une aide qui l'aidera quand le mari sera énervé. Une aide quand son mari aura un mauvais moment. Quelquefois, j'ai eu des mauvais moments. Et un ami est venu et m'a porté son aide. Par une parole d'amour, par un confort. Et je vous promets que ça a été une aide. Mais la femme a été créée exprès par Dieu pour qu'elle soit une aide. Pas le copain. Dieu dit, tant mieux que tu aies des amis, Manico. Mais moi, j'ai créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Au nom du Seigneur Jésus, les sœurs. Mettez-vous dans le cœur. La clé du bonheur, c'est dire, le premier pas, c'est dire, Seigneur, que dis-tu, toi? Ensuite, c'est sûr qu'il dit à l'homme, quitte ton père et ta mère, parce que tu as formé une nouvelle cellule. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un seul. Ça, c'est la création. Et tout ce qu'a créé Dieu est parfait. Absolument parfait.
Il a créé des chevaux, ils existent encore. Tout ce qu'a créé Dieu, il a créé des monstres marins et des petits poissons, ils existent encore. Il a créé de l'herbe, elle existe encore. Même si pendant une saison, elle ne pousse pas, mais la saison suivante, elle va pousser. Et la création de Dieu, c'est une aide pour le mari. Et si nous voulons que les foyers subsistent, c'est de dire que ta création est belle, Seigneur. Donc, voilà le premier point. C'est le premier point parce que, pourquoi j'ai commencé par la femme? Parce que Dieu commence par elle. Alors, qui suis-je, moi, son serviteur, pour commencer par autre chose? Dieu ne met jamais, jamais, la charrue avant les bœufs. Ceux qui ont mon âge ici se rappellent quand les paysans labouraient avec des bœufs. Hein? Avec la mule ou les bœufs, n'importe. Mais ils tenaient la charrue derrière, qui creusait des sillons, et le bœuf ou les bœufs marchaient devant. Dieu ne met jamais la charrue avant les bœufs. Parce que si on met la charrue avant les bœufs, au lieu de tirer la charrue, ils vont se couper les jambes avec la charrue. Il va y avoir un désordre. Et c'est pour ça que Dieu met la femme avant. Quelle est sa fonction avant? Vous voyez, il a créé l'homme, mais il n'a rien dit. Il a tout juste dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, c'est tout. Mais quand il a créé la femme, dis-lui, Seigneur, parle-moi. Il l'a créé, il y a comme un commandement de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Il l'a créé pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Donc, c'est le premier point. Nous continuerons encore un petit moment avec la femme et nous lirons quelques versets dans la parole du Seigneur. Et nous lirons, par exemple, dans l'épître de Pierre. Et vous allez voir que ce que je vous ai dit tout à l'heure va revenir ici. Épître de Pierre, évidemment, il n'y a pas de prédication ici. Nous faisons, si vous voulez, un enseignement. Pour sortir rempli de triomphe de Dieu d'ici. Donc, 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre respectueuse, bien sûr respectueuse envers son mari. Ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, non pas de cette façon-là, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, la douceur, un esprit doux. La douceur, que c'est beau dans une maison, la douceur d'une femme. C'est respectable, la douceur d'une femme. Et c'est ce que dit ici l'apôtre. Et qu'est-ce qu'il dit? Un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Oh oui Seigneur, je veux être d'un grand prix devant toi. Puisque c'est un grand prix pour toi, ça veut dire par là sa gloire. Ça veut dire par là qu'il se réjouit de ça. Afin que vous soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Et juste un peu plus loin, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction.
Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, c'est la suite au passage, hein. Vous le lirez chez vous. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et voyez, la prière va revenir encore ici. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles attentives à leur prière. Amen. Alléluia. Et un peu plus haut, vous savez ce que nous avons lu, ce que nous disions tout à l'heure, afin de ne pas faire obstacle à la prière. Quand il y a le trouble dans le foyer, c'est clair ici, c'est faire obstacle à la prière. C'est ce que nous avons dit. Nous allons faire une autre lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Faisons cette lecture ensemble. C'est peut-être un peu long, mais je pense qu'on va être bénis. Alors, aux Thessaloniciens, ceux qui ont la Bible l'ouvre, hein, chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il en est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Une fois que nous avons fait ces lectures, eh bien, vous savez ce qu'on va faire. Deux frères vont prier le Seigneur pour aller un peu plus loin et conclure après. Et nous nous unirons à la prière. Nous dirons, Seigneur, oui, parle-moi à toi, Seigneur. La parole de Dieu, c'est que Dieu, c'est que le Saint-Esprit ordonne à la femme, donne le commandement à la femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué les lectures que nous avons faites. La parole s'adresse directement à la femme. Vous le relirez chez vous, les sœurs. Femme, soyez soumise, voyez. Ça s'adresse directement à la femme. L'ordre, le commandement est direct. Et chaque fois que les sœurs ont failli à ce commandement, je ne peux pas vous cacher, mes sœurs, la vérité. Vous avez péché. C'est le péché. Il est dit, tu ne mentiras pas. Si je mens, c'est le péché. Il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Celui qui le commet, pêche. Il est dit, tu ne frauderas point. Mais celui qui fraude, pêche. C'est le péché. Et le péché, c'est le trône du diable. Et le péché, c'est ce qui offense et fait du mal à Dieu. C'est ce qui attriste Dieu. C'est ce qui fait du mal à Dieu. Parce qu'au lieu de voir son image, le péché est l'image et la marque de l'adversaire et la marque des ténèbres. Femme, soyez soumise à vos maris. C'est un commandement divin. Aujourd'hui, dans les églises, ce commandement est jeté.
Et c'est pour ça que beaucoup d'églises sont en train de piquer sans arrêt. Elles tombent sans arrêt. Parce qu'il n'y a plus le commandement de Dieu qui est mis en pratique. Et où est la puissance et la force? Où est la paix, la joie, la stabilité, la tranquillité? Dans l'obéissance au commandement de Dieu. Et l'adversaire le sait. Il le sait. Il était témoin de la conversation qu'a eue Samuel avec Saül. Je t'ai offert des sacrifices. J'ai offert, dit Saül, des sacrifices à Dieu. Dieu répond par la bouche de Samuel. Dieu prendra-t-il plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance? Non, il lui dit non, 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 non. Dieu prend plaisir. Dieu, on est agréable à Dieu, il a voulu dire, par l'obéissance. Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Voilà la réponse. Ce qui affaiblit, ce qui porte l'amertume, ce qui fait du mal dans un foyer, c'est la désobéissance. Église de Dieu, que le péché nous fasse horreur. Au nom de Jésus et de nous, Père, par ton esprit. Et il recommande à la femme ce que nous avons dit tout à l'heure, la douceur qui a un grand prix aux yeux de Dieu. Déjà, il y en a qui devraient dire dans leur cœur, Seigneur, je voudrais tellement te faire plaisir. Tu as dit, Seigneur, que tu donnes tout ce qu'on te demande. Parce que nous gardons tes commandements et nous faisons ce qui t'est agréable. Et ce qui vraiment ne t'est pas agréable, Seigneur. Ça, je parle au nom des sœurs maintenant. C'est que je n'ai pas de douceur. C'est que ma douceur ne soit pas connue de mon mari. C'est que ma douceur ne soit pas connue de mes enfants. Je suis en train d'accuser, parce qu'il n'y a qu'en connaissant la vérité, c'est le premier pas de la victoire. Amen. Alléluia. Si je vous demandais, les sœurs, de lever la main, je m'en garderai bien, je ne le ferai pas. Hein. Mais chaque fois que vous avez désobéi à Dieu, je vous dis ça pour que vous ayez horreur du péché. Et la ruse du diable, le piège du diable, c'est faire croire au foyer qu'il n'y a pas de péché, que c'est quelque chose qui est dans le foyer, que c'est comme ça. Arrière de moi, Satan! Comment il sait mettre le péché sans qu'on se rende compte? Au même niveau que tous les autres péchés. Au même niveau que le péché qui a séparé Adam et Ève du jardin d'Éden. Dites-lui dans votre cœur, je te loue, Jésus, de me faire connaître la vérité. Parce que la vérité me rend libre. On doit connaître la vérité. Et la promesse de Jésus est formelle. Et la vérité vous rendra libre. La vérité nous rend libre. Si nous la recevons dans nos cœurs, oui, Seigneur, maintenant j'ai compris que c'est vrai. Je le savais. Mais je ne l'avais pas compris, Seigneur. Je ne l'avais pas réalisé. Je vais en avoir horreur. En vomir. De tout ce qui est le péché. Donc, voilà pour les sœurs. Soyez soumises en toutes choses. En toutes choses. À votre mari. Déjà, le recevoir dans le cœur. C'est la clé qui est rentrée dans la serrure. Qui va ouvrir la porte du bonheur, de la paix et du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, pour nous les frères, que le mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église,
Alors, il est dit comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, à la femme, il dit, comme l'Église est soumise à lui, à Jésus, de la même manière, la femme doit être soumise à son mari. Mais au mari, ce n'est pas les mêmes paroles. C'est comme moi, Jésus, qui me suis livré, qui me suis laissé crucifier, qui me laissé cracher au visage, qui me laissé insulter. J'ai fait cela. Mais je te demande d'aimer ta femme. C'est un commandement. Et que nous commençons, les frères, à avoir horreur du péché. C'est un commandement. Marie, c'est directement adressé. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est dit, de la même manière qu'il s'est livré. Ainsi, vous devez aimer vos femmes. À la femme, il demande d'être soumise, de respecter son mari et d'être douce. Bien sûr qu'elle doit l'aimer. Bien sûr, mais c'est précis pour l'homme. Parce qu'il compare le mari avec lui et son Église. Il dit c'est de la même manière. Et c'est pour cela que Pierre dit de ne pas irriter, de faire attention. Parce que l'Église est un vase plus faible que lui. Alors, il dit, ne les irritez pas comme d'un vase plus fragile. Marie, je vous dis un mystère, il dit. Je vous dis un mystère. Aimez vos femmes comme cela. Et je vous dis ça par rapport au mari et à l'Église. Parce que comme moi, je suis votre tête, et que vous, vous êtes mon corps, vos femmes sont votre corps, vous êtes la tête. C'est une union extraordinaire. Le commandement est donné. Dieu est glorifié. Si nous disons oui, amen, Seigneur. Alors, maintenant, comment rentrer dans cette victoire? Comment faire la volonté des commandements de Dieu? Comment rentrer dans ce bonheur? Parce qu'au moment où on s'y attend le moins, il y a l'attaque. Quelquefois sans savoir pourquoi. Boum, il y a l'attaque. Et après on se dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi on a fait ça? Oui, mais ça s'est monté, c'est monté, et on s'est cogné contre le plafond. Et on est espatarré par terre, en tombant. Alors comment, bien-aimés du Seigneur, rentrer dans la victoire de Dieu? Nous avons dit que c'est dans l'obéissance qu'il y a la puissance de Dieu. Eh bien, c'est dans deux actes la victoire. Le premier, parlons-en de suite. Parce que ce qui est important, c'est de connaître la vérité et que cette vérité nous rende libre. De plus être asservi à ça, de plus être esclave de ça, à la moindre parole du mari, la femme qui s'élève, à la moindre parole de la femme, le mari qui s'élève, et puis ça monte, une parole l'autre. C'est la guerre, c'est l'escalade. Et le diable règne. Et on est dans le péché. Avant d'apporter aux autres. C'est pour ça que le diable frappe dans les foyers. Avant de témoigner aux autres que nous avons reçu le bonheur et la paix de Dieu. Le diable, justement, ne veut pas que ton témoignage soit vrai. Il veut que tu mentes et qu'il n'y ait pas la paix dans ton foyer. Mais si elle y est, si à la majesté de Dieu, tu ouvres la bouche, alléluia, et tu dis la vérité, et Dieu est glorifié, et le diable est obligé de fuir, résistez-lui en face, et il fuira loin de vous. Alors, le premier acte qu'il faut faire, la première des choses, se repentir. Il n'y a pas de porte ouverte sans repentance. Et il n'y a pas de repentance si je ne reconnais pas. Mais la première des choses, acte numéro un, la repentance. Non pas comme Saül, qui ne s'est pas repenti. Son orgueil ne l'a pas laissé repentir. Au contraire,
Oui, c'est vrai, j'ai péché. C'est vrai, j'ai péché. Et il dit à Samuel, c'est vrai, j'ai péché. Mais viens, viens pour me présenter encore aux anciens. Voyez, il n'y avait aucun acte de contrition. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce remords. Il n'y avait pas cette peine, cette tristesse. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais, Seigneur. David, peut-être son péché était plus grave. Dieu seul le sait. Mais je sais une chose, que c'est qu'il a une vraie repentance. Parce que chaque fois, sœur, que tu as pris cette position de péché, c'est contre Dieu que tu as péché. Chaque fois, frère, c'est contre Dieu qu'on a péché. Et c'est pour ça que David dira, contre toi seul, ô Dieu, j'ai péché. Il avait tué un homme, mais il savait que le péché n'était pas directement contre l'homme. La révolte était directe contre Dieu, comme le diable. Seigneur, je te demande pardon. J'ai péché. C'est le premier pas. Je vais commencer par les sœurs, parce que c'est le premier acte, sinon on ne peut pas aller plus loin. La sœur qui se repent déjà dans son cœur. Je lui dis, ça regarde, même qu'il n'y en ait qu'une, hein. N'hésite pas. Sois libre. Ne sois plus asservi par le péché. Ne sois plus asservi. C'est pour cela qu'il est dit, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est pour des motifs comme celui-ci. Parce que quelquefois, la femme, elle correspond au commandement de Dieu et pas le mari, c'est lui qui sera perdu. Et quelquefois, ça peut être le contraire. C'est la femme qui n'est pas douce et qu'elle n'accepte aucune soumission. Et qu'elle n'accepte pas le respect de son mari. Alors de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Que faire du mal à Dieu? Le péché, ça fait du mal à Dieu. Contre toi seul, ô Dieu, j'ai péché. Nous amène déjà à nous faire du mal dans notre cœur, à nous attrister, à avoir horreur de moi. La sœur qui, je commencerai par les sœurs, puisque je commence par les sœurs, qui veut réellement se repentir et en finir, et rentrer dans la victoire de Dieu. Si tes enfants n'ont pas vu le témoignage que tu aurais dû avoir, c'est un désastre. Pour Dieu, c'est un désastre pour Dieu. C'est une ruine. Une ruine pour Dieu. La sœur qui veut demander pardon à Dieu, qui veut se repentir. Nous baissons la tête maintenant tous. Qu'elle vienne ici. Que la sœur qui veut demander pardon à Dieu vienne ici. Amen. C'est une chose que tu ne te repentiras jamais. Qui que tu sois, ma sœur. Qui que tu sois, ma sœur. C'est entre toi et Dieu. Ensuite, nous irons plus loin. Que ce soit vrai ta repentance. Une repentance, ce qui efface, ce qui détruit la puissance du péché des cœurs. Un cantique espagnol dit, la oración de un alma arrepentida abre las puertas para hablar con Dios. Ça veut dire parler qu'on est reçu de Dieu déjà par la repentance. Alléluia. Mais le diable est terrassé par la repentance. Il est terrassé par la repentance. Alléluia. Les sœurs, vous êtes là devant Dieu, vous n'êtes pas devant un homme. Vous n'êtes pas devant un homme. Là, il y a le trône de Dieu. Et c'est à vous de vous repentir devant Dieu. J'ai compris cet après-midi, Seigneur, pourquoi il y avait des difficultés dans mon foyer. J'ai compris, Seigneur, pourquoi il y avait des choses qui n'allaient pas. Parce qu'il y avait le péché dans ma vie. Et je ne veux pas être le trône du diable. Je ne veux pas que mon foyer soit le trône du diable. Seigneur, je reconnais, Seigneur, peut-être certaines choses dans ma vie. Pardon si mes enfants n'ont pas vu cette douceur. Pardon, Seigneur, s'ils m'ont entendu me fâcher, s'ils ont entendu des paroles mauvaises contre mon mari, s'ils m'ont vu en colère. J'ai péché contre le ciel et contre toi, Seigneur. Je n'ai pas été d'un grand prix devant Dieu. Je t'ai attristé, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, mon Dieu. Pardon, Seigneur.
Je te demande pardon, je ne veux pas de ça. Je n'en veux plus, je t'en supplie, pardon, Seigneur. Je t'en demande pardon. Je t'en supplie, je veux la victoire, Seigneur. Seigneur, je fais le premier pas, ce pas de la repentance que je le fais. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, je ne t'ai pas glorifié dans mon foyer. Mon Seigneur et mon Dieu, j'ai témoigné à d'autres. Seigneur, il y avait le mensonge dans ma bouche parce qu'il n'y avait pas la paix chez moi. Mon Seigneur et mon Dieu, souvent de quoi, c'est moi qui l'ai cherché. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Ah, invoque-le, demande-lui pardon, que devant le trône de Dieu, pour que le sang de Jésus vienne et te purifie. Le diable ne veut pas, le diable ne veut pas que tu cries. Le diable ne voulait pas que Bartimée crie, fils de David, aie pitié de moi. Il ne voulait pas, il ne voulait pas, il le faisait taire. Mais lui plus fort, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Pardon, Seigneur, c'est des larmes que je veux verser devant toi. Je t'ai attristé, mon Seigneur. Toi qui as donné ta vie pour moi, toi qui m'as aimé, je ne suis pas digne de toi, Jésus. Je ne suis pas digne. Jésus, pardon. Pardon d'avoir pris une telle position. Le diable m'avait aveuglé comme Bartimée. J'étais aveugle, mon Seigneur. Pardon, mon Dieu. C'est le sang de la vie. Le trône de Dieu est là. Les portes de Dieu sont ouvertes par la repentance. Alléluia. 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 Amen. Retournez à vos places, bien-aimés, parce que déjà vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, et à partir de maintenant, tout devient possible. Je veux m'adresser aux frères. Je bénis Dieu pour la sincérité de mes sœurs. Mais maintenant, je veux m'adresser à mes frères, qui veulent se repentir aussi, et qui veulent reconnaître, qui n'ont eu aucune patience, qui veulent reconnaître dans leur cœur qui n'ont pas aimé leur femme comme Jésus a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même. Alléluia. Pour la faire reparaître devant lui sans tache ni ride. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Pour la faire reparaître devant lui sans tache ni ride. Chaque fois que je l'ai irrité, chaque fois que je lui ai fait du mal, j'ai mis une tache, une ride. Quand lui, Jésus, me compare à lui, sans tache ni ride, de cette façon que tu dois l'aimer, relis-le dans les Éphésiens, tu seras troublé, le frère. Quel est le frère qui veut se lever pour demander pardon à Dieu? Les sœurs priaient, rendez gloire au Seigneur. Priez, priez, remerciez Dieu de vous avoir reçu parce que vous étiez dans le péché. Oui, mais Dieu a eu pitié parce que vous étiez, parce qu'il n'y avait pas la véritable... on le savait, il n'y avait pas la véritable connaissance. Tout en le sachant, le diable est rusé, mais là il est détruit. Alléluia. Amen. Les frères, avec une grande humilité et une grande... Oui, oui, Jésus nous demande d'être ce qu'il est lui pour l'Église. Si nous ne l'avons pas été, nous avons péché. C'est un commandement du Seigneur Jésus. Oui, c'est un commandement de Jésus. Personne ne veut du mal à son corps, il est dit. Qui veut avoir un mal dans son corps? Mais chaque fois que nous avons fait du mal à notre femme, nous l'avons fait. Mes amis, nous avons été créés, dit l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, et au verset 4, je crois, à l'image de Dieu. Et lui a donné sa vie. Humilions-nous devant Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Chaque fois qu'on a mis une tache, une ride, dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit de nos compagnes. Ah, humiliez-vous devant la face de Dieu. Humilions-nous comme Bartimée qui criait pitié de moi, fils de Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est avec vérité que nous voulons te demander pardon. Que le diable n'ait aucune prise pour la repentance. Nous le chassons. Oui, nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu. Tu peux écouter si tu veux, adversaire. Nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Quelquefois, nos enfants nous ont vus fâchés. Au lieu de les élever, mon Seigneur, dans l'atmosphère de la paix,
de la douceur, de la joie, de la tranquillité et du bonheur. Pardon, mon Seigneur. Pardon. N'ayez aucune crainte de lever votre voix à Dieu, demandez pardon à Dieu. Es preciosa vuestra compañera a los ojos de Dios. Mejor que ella tenga un mal, tenéis que desearlo vosotros mismos, pero que no sea vuestra compañera que lo coja. Si hay un palo, recibir un tiro a recibir. Más vale que lo recibas tú, que te pongas delante, como ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Los gitanos son egoístas. Y esto, el egoísmo, es la marca de Satanás. Pardon, Señor. Perdón, Señor. Pardon, Señor. Pardon, Señor. En appel maintenant au sang de Jésus. Que le sang de Jésus, dit-lui. Que le sang de Jésus nous purifie. Amen, Señor. Quiero ser cuidado a mi compañera, como tú, Jesucristo, has cuidado la iglesia. Je veux faire attention à l'église, comme toi, Jésus. Tu as fait attention à ton église. Amen. Amen. Vous retournez à vos places, les frères. Et maintenant, nous terminons par les portes de Dieu sont ouvertes. Je ne parle pas pour dire quelque chose, parce que c'est vrai. Alors maintenant, rentrons dans le sanctuaire. Quelle est maintenant la clé de la victoire qui nous fait obtenir de Dieu la pleine et totale victoire? Un foyer de Dieu. Un foyer chrétien, que c'est beau, mon Seigneur. J'en ai vu. Eh bien, rien que mettre les pieds, on sent quelque chose de paisible. Une atmosphère, elle est belle. Il n'y a pas plus beau qu'un foyer de Dieu. Alors les portes sont ouvertes. Que devons-nous faire maintenant? Nous nous sommes repentis. Eh bien voilà, enfant de Dieu. Frères et sœurs, voilà ce que nous devons faire. C'est ici même prendre une décision. Décider. Voilà, faire comme Josué. Moi et ma maison, on servira l'Éternel. C'est ça, servir Dieu. Alors, prendre une décision. Quelle décision? Eh bien, la voici. Quand une sœur qui va avoir un mauvais moment et qui va être prête à peut-être à s'irriter, alors elle va faire le contraire. Mais elle va dire à Dieu, voilà quelle est la décision. C'est pour toi, Dieu, que je le fais. Là, c'est la victoire. Je prends cette décision pour toi. D'être soumise. D'être douce. Que mon compagnon voit ma douceur. Que mes enfants voient ma douceur. Avant que le voisin la voie. Que ton foyer, Seigneur, le voie. Que ta famille, qui est ma maison, le voie. Mais je le fais pour toi. C'est pour toi que je le fais. C'est pour ça qu'il est dit, comme au Seigneur. Femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur. Vous comprenez? Alors, ça m'avait échappé, Seigneur. Même si je le savais, ça m'avait échappé. Maintenant, c'est pour être agréable à toi. C'est pour garder ton commandement. C'est pour te faire plaisir à toi. Mais même si ça ne va pas, mais je vais prendre plaisir à le faire pour toi. Amen. Oui, à le faire pour toi. Je vais être heureuse de le faire pour toi. C'est la victoire qui me manquait. Accepter. Prendre de la décision. Non plus ma volonté. Non plus ma propre justice. Non plus ce que je veux. Mais ta volonté. Non plus ma volonté, Seigneur. La tienne, Seigneur. Et je l'ai connue ici. Et je rentre dans cette victoire. C'est pour toi, Jésus, que je le fais maintenant. Je veux te regarder crucifié. Toi, tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour mes enfants. Tu l'as fait pour mon compagnon. Jésus, je veux te regarder crucifié. Et je veux te regarder à Gethsémané. Transpirer des grumeaux de sang.
et dire à Dieu à cause de moi, non pas ma volonté, la tienne. Et bien moi aussi dans mon foyer. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, pour toi, ta volonté que je sois douce, que je sois soumise. Ah oui, Seigneur, ta volonté, amen. Oui, j'ai changé. J'ai accepté de perdre ma vie pour gagner la tienne. Amen. Amen. C'est la victoire. C'est une décision que je prends ici, de t'être agréable. Je laisse une seconde les sœurs, les frères. C'est exactement la même chose. C'est une décision. Une décision. La femme n'est pas une esclave. Pour le monde et pour les gitans d'autrefois peut-être. Mais pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est notre corps. C'est chair de notre chair. Os de nos os. Mère de nos enfants. Plutôt qu'on la frappe à elle, qu'on nous frappe à nous. C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. C'est une décision qu'on doit prendre. D'aimer nos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Il y en a qui vont dire, c'est pas possible. Dans le commandement, il y a la force. Toi, veux la voir. Toi, prends la décision, te dit Jésus. Et moi, je te donne la force. Alléluia. Et moi, je te donne la puissance pour l'aimer comme ça. Pour que tu aies compassion d'elle. Au lieu d'être irrité, être rempli de compassion. Cette décision. Mais Seigneur, non plus pour moi. Maintenant, je prends cette décision pour t'être agréable à toi. C'est ce que tu me demandes. Seigneur, je veux t'être soumis. Me voici, Seigneur, pour te faire plaisir à toi, pour garder tes commandements et faire tout ce qui t'est agréable. Non plus ma volonté, la tienne, Seigneur. Qui sont ceux, maintenant il n'y a plus d'hommes et de femmes, qui prennent cette décision formelle dans leur cœur, devant Dieu, eh bien qu'ils se lèvent à leur place. Et je vous promets la victoire de Dieu, parce que je crois en Dieu. Je crois que celui qui dit oui à Dieu a fait fuir toutes les puissances des ténèbres. La victoire de Dieu est là, la lumière est là. C'est ça, marcher dans la lumière de Dieu. Seigneur, je ne le fais plus pour personne. Je le fais pour toi, Jésus. C'est pour toi que je le fais. Et je me rappellerai à chaque moment de ma vie. C'est pour obéir à ta volonté. J'ai changé ma volonté pour la tienne. J'ai changé ma justice pour la tienne. J'ai changé ma vie pour la tienne. Non plus ma volonté, la tienne. Et ça, c'est la victoire de toutes les victoires. Ce n'est pas ce qu'ils disent Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui font la volonté du Père. Me voici, Seigneur. Mais je le fais pour toi. Je le fais à cause de toi. Et tous les jours de ma vie, je veux me souvenir, me rappeler, le repasser comme mari dans mon cœur. Seigneur, tu vas trouver, avec ton aide, des choses d'un grand prix chez moi. Amen. Je veux que ton trône soit là. Combien de fois nous n'avons pas dit à Dieu, les uns d'une façon, les autres de l'autre, hein? Mais ça voulait dire, sens-toi bien au milieu de nous. Hein? Les uns le disent d'une façon, les autres de l'autre. Mais ça veut dire, ça, on peut l'interpréter comme ça. Sens-toi bien au milieu de nous. Eh bien, là, il va se sentir bien. Là, il va trôner dans nos foyers. Je ne vous dis pas que l'adversaire va essayer d'attaquer de nouveau, mais avec une foi ferme. Résistez-lui. Non plus ma volonté, je fais plaisir à Dieu. Résistez-lui en face, avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il partira. Non, ce n'est pas vrai. Il manque. Il ne dit pas ça, la parole de Dieu. Menteur. Il ne dit pas ça. Il fuira. Mais avec cette foi ferme. Non, non. Ma douceur sera commune de mon mari et de mes enfants. Ma soumission sera commune. Alléluia. Que j'aime ma femme, elle le connaîtra elle aussi. Et les enfants aussi le verront. Le foyer de Dieu, le diable aussi le verra. Mais le trône de Dieu sera là. Pour toi, Seigneur. L'oublie pas, parce que c'est la puissance là. La puissance est là, pour toi je le fais. Je le fais pour toi. C'est là qu'est la puissance. Et que l'autre fuit, résiste-le avec une foi ferme. Je le fais pour Dieu. Je le fais à cause de Jésus. Parce qu'il m'a aimé.
Amen. Amen. Levons le bras au ciel. Amen. Et glorifions-le. Ça y est, dis-lui. La victoire est chez moi. La victoire est à Mikasa. Amen. Aquí estoy, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire pour la victoire. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Élevez votre voix à Dieu. Oui, parlez-lui fort à Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur. Le triomphe de Dieu est là. Tu m'as fait triompher. Tocar palmas a Dios. Touchez les mains à Dieu. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le diable se réjouissait trop dans les foyers. Parce que c'est là que tout part. La gloire de Dieu par là. Tout part du foyer. Il se réjouissait. Mais maintenant, il a fui. Au nom de Jésus, Dieu est réjoui. Dieu est glorifié. Amen. Vous ne sentez pas quelque chose de bon? Alléluia. Une dernière fois, levons les mains au ciel. Et disons-lui merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour la victoire. Et c'est pour toi que je le fais. C'est pour toi que je le fais. Dis-lui, 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 dis-lui. Avec ton aide, par ton esprit. Dis-lui, par ton esprit. Pour toi, je le fais. Pour que tu sois heureux. Pour t'être agréable comme Enoch. Amen. Amen. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen.